filles, je viens de faire un de ces hammam. Mais un de ces hammam, je vous explique. Bon, après, j'allais me faire une petite séance d'UV, je pense, pour essayer de maintenir mon bronzage, même si il est bien resté quand même. Mais voilà. Et les filles, vraiment, de toute façon, vous le savez, j'ai fait des hammam partout. Mais quand je vous dis partout, ici, c'est celui où je me sens le mieux, en tout cas en région, en Ile-de-France, quoi. C'est vraiment celui où je kiffe le plus. Vraiment, vous avez de ces services, vous avez le brushing, le hammam, il est propre, tout est beau, tout est nickel. Je vais vous montrer d'ailleurs. Vous avez plusieurs formules, mais quand je vous dis, je suis tellement détendue là, je suis trop bien. Donc pensez à faire un hammam avant de partir en vacances, les filles, pour vos bronzages. Ne faites pas comme moi, faites plutôt justement l'inverse de moi. Vous faites le hammam, ensuite vous allez bronzer. Bon, après, j'ai quand même gardé de jolies couleurs. Je vais quand même faire une petite séance d'UV. Mais je vous jure, vraiment, vous allez vous sentir trop bien ici. Je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, du coup, ici, girls, c'est la salle de repos. Bon, nous, il y a nos affaires. Mais quand je vous dis que c'est trop bien, regardez comment c'est propre et tout. Donc ici, c'est la salle de repos. Et il est chaud, le hammam, les filles. Hein. Il est vraiment chaud. Et ensuite, vous descendez juste ici. Et après, on va avoir accès au hammam. Et les filles, je vous montre à l'intérieur. Regardez comment c'est propre. Déjà, la propreté ici, c'est du 10 sur 10. D'accord? Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Comment c'est trop bien. Et ici, vous faites votre gommage, mes girls, juste là. Mais je vous dis, c'est le top, ça sent bon, c'est propre. Ici, c'est la salle de sauna. Mais les filles, c'est pas, c'est le hammam comme au bled. C'est juste que la décoration, elle est incroyable. Mais c'est le hammam comme au bled. Et ici, vous avez les casiers pour pouvoir ranger vos affaires, etc. Bref, les filles, je fais pas autant de route pour rien. Généralement aussi, ils font des nocturnes. Donc, n'hésitez pas à les checker directement sur Snapchat. N'hésitez pas à les appeler. Si vous voulez faire vos ongles, vous pouvez aussi. Moi, j'ai pas testé encore les ongles, pour être honnête avec vous. J'ai fait les brushings et le hammam. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça, déjà, les services que j'ai testés, c'est du 10 sur 10. Mais du 10 sur 10. Donc, n'hésitez pas, mes girls. C'est un bon plan. Il n'y a pas de rémunération. Voilà, je tiens à le préciser. Puisque voilà, je connais les... Voilà. Et voilà, c'était juste un bon plan que je voulais vous partager parce que vraiment, c'est un coup de cœur sur hammam. Donc, je vous mets l'adresse. Avec un petit thé à la marocaine, tu finis trop bien ton hammam. Merci. Je vous en prie. Et puis, je suis arrivée à la maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous vous souvenez de la marque Revitalash à l'ancienne, ici. C'est même pas l'ancienne, c'est... Après, ça fait longtemps que moi, je l'avais découvert. Mais en fait, j'ai trouvé mieux. Les filles, mieux et beaucoup moins cher. Donc, c'est Naturalash. Donc, c'est ce que j'utilise, vous savez, déjà donc, tous les jours au niveau du sérum fixateur pour les sourcils. Lorsque je vous avais montré, en fait, mon make-up et tout, bah, c'était ce que j'utilise tout le temps, les filles. Donc là, je mets un sérum pour les cils donc, que vous pouvez appliquer lorsque vous n'avez pas d'extension de cils, ou vous pouvez en appliquer également lorsque vous en avez. Ou tout simplement, si vous n'en mettez pas, bah, c'est beaucoup mieux. Ça fait pousser les cils, ça leur apporte de la longueur, etc. Les produits sont ultra, ultra bien notés sur Yuka, donc 93 sur 100. Je mets toujours un booster pour sourcils. Donc les filles, moi, il faut savoir que c'est mes poils. Et les poils des sourcils, les cils, etc., bah, c'est comme les cheveux, en fait. Il faut les entretenir. Donc moi, pour pas avoir de trous, pour pas avoir un effet... En fait, je vais avoir un effet comblé, parce que je mets même plus, dites-vous, de crayon, ça y est, donc j'ai même plus besoin d'en acheter. Je mets le booster pour sourcils. Avant, je mettais du crayon, les filles. Quand bien même j'avais fait le micro-shading, je mettais quand même du crayon. Sauf que là, mes poils, ils ont poussé partout. Je mets booster pour sourcils et le sérum fixateur. Le sérum fixateur, il est trop bien, les filles. J'utilise tous les jours. Rien du tout. Il est trop bien. Genre, il est trop bien. Voilà, vous avez juste à faire ça. Vous avez juste à tracer et vous cassez même plus la tête. De toute manière, la mode, elle est revenue un petit peu au naturel. Genre, les sourcils un petit peu... genre, pas tracés de fou. Genre, juste des petits sourcils naturels. Donc, c'est beaucoup mieux d'avoir ça que d'avoir le crayon, etc. Vraiment, les filles, c'est genre the marque. Mais the marque. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, si jamais vous avez envie de commander, je vais vous mettre un code. Moi, je kiffe les produits. De toute façon, vraiment une parole d'adepte à tout ce qui est sourcils, cils, cheveux, etc. Et vous n'allez pas être déçus. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets